Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve, oui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur à la poursuite du trophée de platine, j'ai bugué un petit peu, à la poursuite du trophée de platine et cette fois-ci sur Saint Seiya, Seigneur Soul, les chevaliers du Zodiac. Comme je l'avais dit dans la vidéo où je suis de retour, j'étais en train de le platiner à ce moment-là, là il me reste plus que deux trophées. Je vous laisse un petit peu, j'adore cette musique de début, ça me met direct dans l'ambiance. Alors je vais vous le montrer vite fait mes trophées, hein. Il m'en reste plus que deux à voir. Voilà, alors, bon, 3 si vous comptez celui-là de platine quand on obtient le platine, mais bon, voilà. Il m'en reste plus que 2 trophées à avoir pour avoir le platine. Alors, je vais vous montrer ce qui me reste et je vais vous expliquer un petit peu ce qui était chiant à faire dans ce truc. Alors, c'est un Big Bang. Alors, voilà, il me reste plus que c'est un Big Bang. Vous avez terminé la classe de survie Big Bang. J'espère écrire ça un petit peu plus tard. On fera ça vers la fin parce que c'est ce qui va être le plus dur. Terrible combat des dieux. Vous avez remporté la coupe divine du tournoi intergalactique. C'est dur, mais c'est plus faisable que le survie. C'est pour ça que j'ai commencé par celui-là direct. Alors attendez, je retiens une petite notification sur mon ordinateur. Voilà, parce que ça me perturbe. Et je vais expliquer un truc qui était super. 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 Je rajoute un autre super. Chiant à faire. C'est. Attendez que je retrouve. C'est un petit peu plus haut. C'était... Voilà, j'entends leur voix qui m'encourage. Si vous obtenez toutes les répliques de combat. Pour obtenir toutes les répliques de combat, c'est un truc aléatoire. Je vais vous montrer la capture d'écran que ça m'a eu. En fait, il faut faire le mode bataille que vous voyez là, la roue. Et c'est du aléatoire. Et il faut gagner des répliques de combat à chaque fois que vous battez des boss. Mais vous avez très peu... C'est du aléatoire. Il faut avoir de la chance et tout. Et c'est super chiant. Alors qu'ils vraiment mettent que les derniers trophées... Enfin, les dernières répliques qu'on a à avoir, ils peuvent être dans la boutique, mais super cher. Comme ça, bon, tu fais plein de combats, tu essaies de gagner plein de pognon. Et après, tu payes les plus chers. Même si c'est un peu chiant, c'est moins chiant que de le refaire tout le temps. La roue. Franchement, j'en pouvais plus. J'en avais marre. J'ai même dit à Mousti, j'en peux plus. Et quand j'ai gagné ce trophée-là, j'étais content. Voilà, c'était pour vous dire. Et j'ai une petite astuce. Alors, pour ceux qui voudraient le faire en platine, j'ai une petite astuce. Parce que j'ai réussi à avoir les... Il m'en restait... 3 il me semble qu'il me restait de répliques de combat à avoir en faisant la roue de la bataille d'or, deuxième mode, hein, je précise. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que vous utilisez vos rafales de points, ce qui vous double vos points quand vous gagnez un combat, vous les utilisez tout le temps à chaque combat. Comme ça, vous allez vite fait aller au boss, et quand vous battez le boss, vous êtes sûr d'avoir une réplique de combat. En tout cas, moi, c'était sûr. J'ai fait les 3 derniers qui me restaient répliques de combat. J'ai fait ça, j'ai mis mes rafales de points, rafales de points, rafales de points pour aller le plus vite jusqu'au boss. Et ça m'a donné direct des répliques de combat. Alors voilà, une petite astuce pour ceux qui galèrent un peu à avoir vos dernières répliques de combat. Moi ça a marché, après je dis pas que ça va peut-être marcher pour vous, mais moi franchement, sur les 3 qui me restaient, j'ai fait 3 modes de... Enfin j'ai fait 3 combats en utilisant ça, enfin en utilisant rafales de points. Et sur les 3, bah j'ai eu, voilà, j'ai eu les 3. J'ai eu les derniers qui me restaient. Du coup voilà, c'est une petite astuce que je vous dis là en passant. Pour moi ça a marché, voilà. Alors, on va faire le mode de tournoi intergalactique. Mais juste avant ça, je veux juste faire une petite parenthèse. Je veux faire juste une petite parenthèse. C'est pourquoi on fait trophée de platine, moi et Mousti. Déjà, premièrement, bon, il y en a, ils penseraient que c'est pour se la péter. Un petit peu, mais avouez que par exemple, quand vous avez un trophée de platine et que vous voulez le dire à vos potes, quoi, vous avez envie de le partager. Moi, vous êtes comme la famille, quoi, j'ai envie de dire. Vous êtes des abonnés, j'ai envie de vous partager. Ouais, regardez, j'ai eu un trophée de platine. Du coup, voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Pareil que quand vous étiez avec vos copains, vous dites, hey, putain, j'ai réussi ce niveau-là, tel jeu. Putain, je suis fier de moi, j'ai réussi à finir le jeu, quoi. Vous êtes content, vous êtes un peu fier de vous. Alors, moi, je suis un peu fier de moi, même si c'est pas compliqué à avoir. Parce qu'il faut savoir que les trophées que moi je fais, je les fais et je vous les montre parce qu'ils sont super faisables. Si moi, un glandu comme moi, un crétin infini comme moi, arrive à avoir un trophée de platine sur par exemple Dishonored ou sur Hitman Absolution, ça veut dire que tout le monde peut l'avoir. Il y a des trucs un peu difficiles, certes, mais il faut juste un petit peu. Bourriner le jeu un petit peu, connaître les entournures du jeu, et vous arrivez à avoir votre platine, quoi. C'est pour ça, c'est pas parce qu'on est des gros, qu'on se croit plus fort que tout le monde, qu'on veut se la péter, on dit ouais, regardez, moi j'ai trop fait de platine, vous valez moins que rien. Non, moi je fais ça, c'est absolument pour vous montrer que ceci est faisable et que vous pouvez le faire. Par exemple, je sais pas, par exemple, moi, quand je voyais des trophées de platine à l'époque, je n'étais pas dessus, je dis putain, j'aurai jamais, c'est trop dur, laisse tomber, c'est pas pour moi. Et quand j'ai fait 10 heures de raid, je voyais que j'allais facilement le faire, je dis bon, alors si un glandu comme moi peut le faire,
tout le monde peut le faire et ce serait intéressant à montrer. Et en plus, ça vous offre de la rejouabilité aussi. Par exemple, un jeu que vous adorez. Je sais pas, bon, je vais reprendre Dishonored parce que c'est mon premier trophée de platine que j'ai eu. Dishonored, je l'ai bien aimé comme jeu. Et il y a plein de rejouabilité dans le jeu. Et quand vous avez un petit peu tourné en rond du jeu, je me suis dit, putain, j'aime bien, j'ai envie de jouer, mais je sais pas trop quoi faire. J'ai tourné un peu en rond dans le jeu, j'ai tout fait tout ce qui était possible. Et que vous voyez que vous pouvez avoir le trophée de platine, je me dis, putain, c'est cool, ça peut me redonner de la rejouabilité en me donnant des défis par ailleurs. Ce qui fait que je vais reprendre plaisir à jouer au jeu. C'est surtout ça, voilà, c'était une grosse parenthèse que j'avais envie de faire ça, mais je trouvais que, voilà, j'avais un petit commentaire sur Dishonored, il me semble, je crois que c'était Dishonored ou Hitman Absolution, je ne sais plus, où il y a quelqu'un qui me traitait de beauf. Oh, je lui ai pas répondu parce que, bon, je vais pas l'insulter tout ça, il a le droit de donner son opinion, mais moi, je veux dire ça, c'est pas parce que je veux me la péter, c'est parce que je me crois supérieur à tout le monde parce que j'ai un trophée de platine, non, parce que j'ai un trophée de platine, je veux le faire partager à mes amis, à vous. Et pour vous dire que ça, c'est faisable. Si un glandu comme moi arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Voilà. C'est juste ça et je voulais faire une grosse parenthèse dessus parce que voilà, on fait trophée de platine pour vous dire, tiens, si vous avez ce jeu-là, par exemple, Saint Seiya sur le Sursoul et vous l'avez fini en long, en large, en travers, hé, regardez, essayez de faire le platine, moi j'arrive à le faire. Bon, il y avait des trucs chiants comme les trucs de réplique de combat, bon, moi ça c'est des trucs chiants. Mais si moi j'arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Voilà, moi je suis un gros glandu, je suis un nul, mais tout le monde peut le faire. Voilà, c'était pour vous dire ça. Mais s'il y en a qui ne font pas du tout les trophées de platine, je comprends. Hein. Y a un mec qui dit, oh ouais, bah moi j'ai pas envie de le faire. Je dis, oh, y a pas de soucis. Hein. Moi ça me. C'est bien. Si t'as pas envie de le faire, bah tu le fais pas. Si t'as envie de le faire, bah cool, t'as envie de le faire. Hein. C'est pas parce que quelqu'un en face n'a pas fait un trophée de platine qu'il est moins que rien, non? Il a pas envie de faire le trophée de platine, et bah voilà, il a pas le droit. Il a le droit, c'est son droit. Moi je le fais parce que j'aime bien la rejouabilité dans un jeu et refaire le jeu d'une autre manière que je connais. Moi ça me. Avec des défis. Bah moi j'aime bien, voilà. Alors, excusez-moi pour cette grosse parenthèse, mais voilà, j'ai parlé encore pendant des heures, mais je m'en fous. Il fallait absolument que je mette au point ça avec vous, parce que le petit commentaire m'a un petit peu... Oh, il m'a pas fait mal, mais c'est que... Derrière, j'étais en train de me réfléchir, mais peut-être que j'ai mal expliqué comment, pourquoi je faisais les trophées de platine. Voilà, alors maintenant j'explique, c'est pour vous montrer qu'il y a de la rejouabilité à faire, que ça, si je le fais, moi tout le monde peut le faire, voilà. Que vous pouvez avoir facilement un trophée de platine sur les jeux que j'ai fait. Alors cette fois-ci, on va faire le tournoi intergalactique. Alors tournoi intergalactique, c'est des tournois. Il faut se battre contre des ennemis pour arriver, ben, comme dans un tournoi, à la fin, à la finale. Alors là, c'est dans le dernier niveau, donc ça va être des mecs assez durs. Petite parenthèse aussi. Encore des parenthèses, excusez-moi. Mais comme vous voyez là, il y a des règles. Alors, par exemple, là, c'est règle 3KO, ça c'est règle du 7ème sens. Selon les tournois, vous avez des règles. Par exemple, une règle où c'est le premier qui touche, qui attaque. Et qui touche son adversaire à gagner. Voilà. Ça c'est bien ça parce que ça vous fait gagner vite fait un combat ou perdre un combat vite fait aussi, mais ça vous fait vite fait ça le fait finir vite. Mais bon là c'est des règles normales. On va se battre. Je vais essayer de me battre. J'espère que je vais pas trop faire de fail parce que à mon avis l'IA va être un petit peu compliqué. Il faudrait que je prenne un personnage que je maîtrise plutôt bien. Je vais prendre mon préféré parce qu'il est un peu cheaté. Il est pas totalement cheaté, le plus cheaté c'est Hades, mais ça vous le verrez dans le mode survie. Il est un petit peu cheaté Camus avec son armure divine, parce qu'en fait quand il fait son aurore, son exécution de l'aurore en attaque spéciale, il fait une espèce d'onde de choc qui fait qu'il est protégé tout autour de lui et tant qu'il a pas fini, mais complètement fini sur l'attaque, vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous pouvez que le toucher qu'avec des attaques à distance. Alors je vais prendre lui parce que il fait des belles combos et il a un petit peu cheaté. Voilà, mais en même temps je vais tomber contre des IA super forts. Voilà. Bon, c'est mon premier essai. Je me suis même pas chauffé avant de commencer. Là j'ai un enregistre tel quel. J'espère que je vais pas faire trop de fails. De toute façon, je couperai s'il y a des fails. Vous inquiétez pas, je couperai les trucs les plus chiants. Le but de la vidéo c'est que j'ai le trophée de platine. Voilà, ouh, oui, alors déjà ça commence bien. Je vais essayer d'être concentré aussi un petit peu. Voilà, regardez ça, en fait c'est super efficace, ça fait super mal. Et en fait, il a une espèce d'onde de choc autour de lui quand il fait ça. Allez, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. Vous voyez, regardez l'onde de choc, il venait finir son attaque, mais l'onde de choc était encore là en fait. C'est super bizarre, Camille. Ouais, si j'arrive à faire un perfect. Alors, déjà, on va essayer de finir. Allez!
Oui, je vais faire une perfecte en plus. Yeah, affronte le froid absolu. J'adore son attaque Big Bang. Exécution de l'aura. Je suis là comme un gamin. D'or pour l'éternité. Oh, je l'adore, je la connais par cœur. J'adore, franchement, cette attaque Big Bang, elle est stylée. Et j'ai fait un perfect. Bon, après, vous allez me dire, c'est le premier, hein, Snake. Je t'ai fait pas d'illusion. Mais c'était plutôt pas mal, si bien fait. Oh, bien joué. Bon, j'aurais pas fait un perfect sur celui-là. Ah, bon, on va voir. Il est en train de taper dans le vide, c'est bien. Ah merde, j'ai arrêté ma combo comme un con. Ah, bien joué. Et là, je suis en train de me faire avoir un petit peu. Bon. Exécution de l'aurore. Voilà, il y a la petite onde de choc qui va bien. Oh merde, j'aurais pu le taper, j'ai pas réussi. J'aurais pu en profiter. Bon allez, yeah. Encore l'attaque Big Bang, yeah. Affronte le froid absolu. Exécution de l'eau. Oh, j'adore cette attaque Big Bang. Il y a des attaques Big Bang, c'est mes préférées, mais celle-là, elle est quand même... Elle est... Ah, j'aime bien. Les attaques divines sont bien, les attaques divines. D'or pour l'éternité. Oh, il lui reste encore un peu de vie. On va bien jouer, il est bien résistant. Ah, tiens, l'onde de choc m'a un petit peu protégé, mais pas assez. Putain, il esquive tout. Et arrête de... Regardez, ça m'énerve, c'est quand l'IA fait ça, elle fait des esquives pour rien. Voilà, bon, j'ai touché, alors qu'il devrait même pas être touché en vrai. Vous avez vu l'onde de choc, comment elle est un peu cheatée de Camus. Quand vous l'affrontez, c'est super chiant. Surtout dans le mode deuxième bataille, quand vous essayez d'avoir les répliques de combat, s'il fait ça tout le temps, c'est super chiant parce que il suffit que vous soyez, je sais même pas, à 1 mètre, vous l'esquivez sur la gauche de 1 mètre, ça vous touche quand même. Hein. C'est dégueulasse. Voilà, vous avez vu qu'il y a deux rounds aussi. Je vais pas expliquer, mais bon, c'était assez compréhensible. Et voilà, les autres sont en train de s'affronter. Ce qui me fait marrer, c'est que des fois, dans le tournoi intergalactique, vous avez les deux mêmes personnages qui s'affrontent, mais ils ont pas les deux mêmes costumes, enfin, ils ont pas les deux mêmes armures. C'est un petit peu stupide, parce que c'est la même personne, mais ils ont pas les mêmes armures. Du coup, en vrai, ils se pourraient pas s'affronter, parce que c'est un tournoi, quand même. Faut quand même qu'ils se prennent un petit peu au sérieux. Ouh là là là, Shura en armure divine. Alors là, ça va être chaud. Ça commence à... Alors déjà, ça c'est le deuxième. Oh, ah d'accord, il a réussi à me toucher. Putain, j'ai rien compris. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. Eh non, mais... Oh là là, je me fais défoncer, ça y est. Essayez de me concentrer un peu quand même, parce que c'est pas possible. Tu vas pas t'en aller aussi vite. Reste avec moi. Exécution de l'aurore. Regardez, ça l'a touché quand même alors qu'il était à 1 mètre de long. C'est un petit peu cheaté, j'avoue. Ah, il faut... Et là, c'est un mode compliqué. J'ai le droit. Oh, bien joué. Par contre, j'ai l'impression qu'ils font plus mal que moi, non? Je sais pas. Oh, merde. Bon, il m'a touché quand même. C'est dégueulasse. Et il m'énerve, regardez. Voilà, tu me saoules. Allez, attaque Big Bang. Oui. Affronte le froid absolu. Bon, là vous voyez pas, mais je suis en train de faire exactement les mêmes mouvements qu'il fait, hein. Parce que, bon là j'arrête, mais à chaque fois quand je suis tout seul chez moi, je le fais. J'adore ces attaques Big Bang. Ah, ça fait déjà 15 minutes de vidéo quand même, putain merde. En même temps, si j'ai, comme j'ai parlé pendant au moins une heure au début, au moins 10 minutes que j'ai parlé, mais fallait que je le dise, fallait que je vide mon sac quand même. Bon, j'ai failli quand même, failli me faire battre quand même. Shura, il est pas facile.
D'accord, alors des fois ça fait ça, je suis en train de faire ma rafale. Mais c'est lui qui me touche quand même. Oh putain, et des fois il se protège aussi tout le temps. Oh regardez, c'est chiant ça. Ah, ça va, il a essayé de faire une projection mais il a pas réussi parce que je l'ai frappé avant. Voilà, et vas-y. On va essayer de faire un petit peu exécution de l'aurore. Oh, il a essayé de faire une attaque big bang, j'ai réussi à l'éviter, mais je sais même pas comment j'ai fait. J'ai eu trop de la chance. D'accord, j'ai pas voulu faire ça, mais... Allez, tiens, barre-toi par là si j'y suis. Elle est belle son armure divine, je sais pas s'il y en a qui... Bah moi j'aime bien. L'armure divine de Camus. Bah, les armures divines sont toutes belles entre eux. Mais celle de Camus, je la préfère à toutes les autres. Avec... Bon, j'ai fait ça parce que je croyais qu'il allait arriver sur moi. Mais il n'est pas arrivé sur moi. Bon, j'essaie de faire un petit peu des coups dans le vent parce que là, faut que j'avoue que j'ai large. Et il faudrait faire gaffe à pas ce qui remonte dans le score. Ah merde, bon, il l'a fait aussi. Oh, bien joué. On va essayer de le toucher d'ici. Ah non, ça va pas d'aussi loin. Allez, allez. Oh, il est bientôt fini. Plus qu'une pichenette et c'est bon. Oh bah, fin du temps. Ah oh, oui, il y avait du temps. J'ai même pas fait gaffe au temps. Bon, on a gagné quand même. Hein. Shura, t'as de la chance. Parce qu'il te restait un poil de cul. Il te restait un poil de cul. Hein. T'as de la chance, franchement. Mais j'ai gagné quand même. Bon, deuxième finale, deuxième combat. Oh, alors Alberic vient de gagner contre Shaka. Shaka avec son armure divine ou son armure d'or quand même. C'est un putain d'armure d'or. Et Alberic, pour ceux qui ne connaissent pas les chevaliers du Zodiac, c'est un petit chevalier de niveau de Saint Seiya et tout ça. Et il est arrivé à battre une armure d'or. Tu vas te calmer un petit peu, voilà, parce que là il m'a fait un petit peu mal, j'avoue. Mais il m'a surpris au début. D'accord. Merde, j'avais une occasion de frapper là. Bon, on va essayer de le frapper là. Voilà, là ça marche. Il est en train de faire une combo dans le vent, c'est parfait. Oh bah d'accord, il fait une combo dans le vent. Et il tape dans le vent. Et il a gagné tout à l'heure. Oh merde, ça a pas fait une combo. J'aurais cru que ça allait continuer le tag. Allez, à moi aussi, je me transforme. Oh, ça fait mal, hein. Allez, attaque Big Bang. Oui, en plus, il s'est un petit peu laissé faire. Parce que je crois qu'il aurait pu l'éviter, en plus. Allez, affronte le foie absolu. Je sais qu'il n'y avait pas besoin, puisqu'il restait une pichenette de vie. Mais moi, j'adore l'attaque Big Bang. Et franchement... En même temps, je me suis un peu entraîné entre parenthèses. D'or pour l'éternité, Alors si vous entendez des voix, c'est ma manette. Parce que j'ai mis les voix des commentateurs sur ma manette. Mais je les ai pas mis. Je pourrais les mettre. Je crois que je peux les mettre directement. Parce que ça sorte de la télé. Mais c'est pas intéressant. C'est en japonais. Et c'est sous-titré en dessous de toute façon. Et qu'est-ce que j'y disais? Entre parenthèses, je me suis peut-être un petit peu entraîné. Parce que j'ai fait tellement de fois le bataille d'or. Le deuxième mode du bataille d'or pour avoir les répliques de combat. Je me suis battu contre des boss, mais vraiment poussé, over cheaté, que maintenant, voilà quoi. J'ai joué à presque tous les persos du jeu en une journée, presque, peut-être pas quand même, mais voilà quoi. Je suis un petit peu bien entraîné grâce au deuxième mode de combat. Ah non, t'auras pas le temps de faire ton attaque, mon gars. Regardez, c'est un petit peu. Oh putain, j'ai pas réussi à l'enchaîner. Ah putain. Il m'énerve là, il esquive tout ce que je lui fais. J'adore les combos de Camus. Il y a des personnages qui sont un petit peu dégueulasses. Hop, alors là il a fait une attaque mais ça va pas me toucher. Ah, ça le... Oh putain, ça l'a protégé quand même. Alors que j'étais... D'accord, c'est très bizarre. Ça l'a pas touché, mon attaque l'a pas touché alors que j'étais juste... Je le visais lui. Bon, on en profite qu'il tape sur un mec invisible. Allez, une exécution de l'aurore. Oh non, j'ai pas eu le temps de la faire.
moment-là, il commence un petit peu à m'énerver. Bon allez, attaque Big Bang pour la fin. Voilà, on finit en beauté. Le froid, affronte le froid absolu. 2. Laura. Yo. Ah oh, moi j'adore. Je suis à fond dedans à chaque fois. D'or. Pour l'éternité. On pourra dire, hé, hey, quoi moi ça leur a pas laissé de glace. D'accord. Excusez-moi. C'était une blague de merde. J'ai jeté un front entre nous, je crois. Ah bah avec Camus je peux faire plein de vagues comme ça, hein. Je suis un petit peu entraîné avec les vidéos de Stat Alchimiste, la série Cheveux du Zodiac abrégé, je vous le conseille. Bon bah voilà, j'ai gagné le tournoi intergalactique, le mode le plus difficile, trop facilement. Voilà, et le trophée vient de se débloquer. Bah dis donc, elle était facile, hein. Je suis tellement bien entraîné avec les boss overcheatés dans la deuxième mode de bataille d'or que tu dois combattre avec sang froid. Ah mais si t'as le sang chaud, c'est dur de se battre avec le en étant avec le sang froid. D'accord, j'arrête mes blagues de merde. Oh par contre j'ai remporté plein de titres. Le dieu, chanceux, Amor, le spec, galactique. Oh putain, vous venez remporter titre, élu, victorieux, enfant terrible. Oh l'enfant terrible, c'est bien, c'est référence à Metal Gear Solid 2, les enfants terribles. Et le roi, je crois que j'ai plus eu le temps de lire. Bon voilà, j'ai tout fait, hein. Putain, j'ai gagné là, toutes les coupes. Franchement, elle était facile, hein, j'ai envie de dire, la dernière coupe divine. Hein. Alors, ça fait 20 minutes de vidéo. On va attaquer la partie maintenant la plus dure. Parce que bah, je croyais que ça allait être plus dur que ça, ton intégralité. Mais en fait, finalement, c'était un jeu d'enfant avec Camus. Avec son onde de choc avec l'exécution de l'aurore. Alors là, c'est survie. Alors, survie, j'explique un petit peu. Ça, vous avez compris, c'est survie, mais bon. C'est en fait, je vais devoir affronter 12 chevaliers qui sont entre 3, enfin je vais devoir choisir 3 chevaliers, il y aura 12 à battre et les 3 chevaliers auront des difficultés et je ne regagne pas de la vie à part si je fais certains bonus. Alors peut-être que je vais couper parce que peut-être que ça va être un petit peu trop long à enregistrer parce que 12 chevaliers au bout d'un moment vous allez peut-être en chier, vous allez être, bah, ça va peut-être être chiant pour vous et en plus je vais peut-être devoir recommencer plein de fois parce que j'ai fait quelques essais, bah c'était hier. Enfin, pour moi, c'était hier, pour vous, vous en foutez, mais quelques essais. Et franchement, c'est dur. C'est très, très dur. L'IA est un peu plus complexe. En même temps, on arrive dans le dernier niveau. Et je vous conseille pour les survies, c'est de prendre Hadès. C'est le plus cheaté de tous. Pourquoi c'est le plus cheaté Hadès? Alors, je m'explique. Hadès, il fait un bond en avant juste en appuyant sur carré et rond. Alors que les autres personnages, à part certains. En faisant carré, ils tapent dans le vent, ils font juste carré, ben ils font juste un coup, mais ils font pas un bond en avant. Lui, Hadès, il fait carrément un bond en avant juste appuyant sur, juste en faisant carré ou triangle. Alors que normalement, vous avez besoin d'appuyer sur L1 et carré, il fait un bond en avant et après vous pouvez attaquer. Là, il enchaîne directement, il fait directement des enchaînements. Il fait des combos jusqu'à 10, même voire 12 coups, juste en faisant carré, 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 triangle, 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 vous voyez ce que je veux dire. Et il a des coups de distance qui sont assez bien et une rafale qui est assez bien. Alors voilà, Hadès c'est le plus cheaté. Alors voilà, faut que j'affronte, vous voyez il y a des petits personnages là, en haut à gauche. Juste en écrit en dessous de ce qui est écrit classe Big Bang. Et faut que j'affronte 12 chevaliers sans mourir. Parce que je ne gagne pas de la vie à part si je remplis par exemple le défi qu'il y a là. C'est réussir une compo de 15 coups. Et vous voyez qu'il y a des petites étoiles, j'explique pour ceux qui ne connaisseraient pas. Hein. Excusez-moi pour ceux qui connaîtraient, c'est un peu chiant pour vous, mais j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et les petites étoiles qui sont en dessous des noms, par exemple des chevaliers, parce que par exemple Masque de Mort, vous voyez qu'il a 2, 4, 6 étoiles et 2 étoiles de vide, ça veut dire qu'il est. Bah, qu'il est assez fort, mais il est moins fort que Saga qui a toutes ses étoiles. S'il affronte Saga, ça risque d'être chaud. Shura, il est même niveau, mais le problème c'est qu'il faut que je gagne avec 50% de restant dans la jauge de vie, ce qui est faisable. Et réussir un combo de 15 coups. C'est faisable aussi avec Hadès. Mais je vais prendre quand même Shura, je pense que c'est plus faisable. Et en plus, ça m'évite de penser à faire, parce qu'il faut absolument penser. Par exemple, quand vous faites des défis comme ça, il faut que vous pensiez qu'il faut que vous fassiez, par exemple, vous fassiez 15 coups. Et des fois, moi, je suis tellement porté dans le combat, je veux absolument gagner, que je fais pas gaffe à ça. Des fois, je perds à cause de ça, parce que je regagne pas de la vie grâce à ça. Parce que les petits cœurs que vous voyez, c'est pour gagner de la vie. Et bon, le petit argent, c'est des points en plus pour gagner plus d'argent. Vous avez compris ça.
Mais je vais prendre Shura parce que je pense que je peux gagner au moins avec 50% de vie. Enfin, je vais essayer. Il y aura peut-être plusieurs essais. Je vais pas réussir du premier coup, ça m'étonnerait. Voilà, il rappelle les défis. Et surtout, faut pas que j'oublie que j'ai des défis à faire. Comme des fois, faut les finir avec une attaque Big Bang ou avec une rafale. Ou avec d'autres attaques spéciales. Oh bah d'accord, bah ça commence direct. Voilà, regardez ce que je vous disais. J'ai fait juste triangle. Et Hades, il s'est carrément jeté sur Shura. Pareil pour carré. Voilà, vous voyez ces combos un petit peu poussés. Voilà, et là je peux enchaîner direct sur une attaque. Oh là putain, oh merde. Le problème avec Hades, c'est que des fois quand il fait ses combos dans le vent, et ben il est facilement vulnérable si l'autre évite l'attaque. Alors là, voilà, il y a sa rafale là qui est super bien. Ça aussi c'est... Et voilà. Ça aussi c'est bien pour les tenir à distance. J'essaie d'expliquer en même temps de jouer. Je me rends compte que c'est pas très facile, mais j'ai réussi mon défi. Bon, j'ai pas réussi un combo de 15 coups, mais l'argent, je m'en fous. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour mon trophée. C'est bon, l'argent, j'en ai plus besoin, je suis riche. Voilà, comme vous voyez, j'ai regagné de la vie en haut à gauche. Et on passe au combat suivant, parce que je peux arrêter là et gagner l'argent que j'ai gagné. Ou je continue, mais si je perds, si je meurs, et ben, tous les points que j'ai engrangés, je les ai perdus. Enfin, c'est un mode survie, quoi. Alors là, j'ai Hagen, Bud ou Mime. Alors Bud, il est très rapide et il peut être très chiant à faire. Mime, ça va. Et Hagen, oh, ça va aussi, quoi. Il faut juste que je gagne en moins de 40 coups et ça, c'est chaud. Et ça, il faut que je termine avec une attaque spéciale. Alors ça, bon, je vais faire avec Mime parce qu'il est un peu plus faisable. Et, mais par contre, il faut absolument que je pense à faire une attaque... Faut que je le mette KO par une attaque spéciale. Attaque spéciale. Snake, rappelle-toi, tu le finis avec une attaque spéciale. Parce que en plus, j'ai souvent tendance à vouloir les finir. Oh, d'accord, il a évité ça. J'ai souvent tendance à le finir avec une attaque Big Bang parce que c'est stylé. Regardez, avec ça, je le mets à distance. Comme ça, il peut pas venir. Là, je vous explique un peu les bases. Et je peux. Bon, il va y avoir peut-être des coups que j'enchaîne comme ça. Voilà, regardez, ça aussi. Comme j'ai fait mon attaque, il peut pas me venir. Voilà. Bon, d'accord. Oh merde, j'aurais peut-être pas dû faire ce coup là. Mais il enchaîne dans le vent, c'est parfait, vas-y. Tape dans le vent. J'ai reçu un message, je verrai ça juste après. Ah, ça l'a touché quand même. Oh merde. Voilà. Bon voilà, en fait c'était, vous voyez comme c'était facile avec Mime. Oh, c'était une... fallait que je finisse par une attaque spéciale. Ah bah je l'ai fait. Oui, je crois que j'ai fait. Oui, je l'ai fait, je crois. Oui, oh, j'ai regagné tout. Oh, j'ai eu la chatte. Alors, franchement, là, j'avoue, j'ai eu de la chatte parce que j'y pensais même plus. Je vous le dis, des fois, je suis transporté dans le combat. Je vais absolument essayer de gagner sans perdre de vie et tout ça. Mais j'oublie aussi que je peux gagner de la vie en faisant tel défi. Je dis, putain, j'ai oublié de faire ce défi-là. Et c'est ça qui me fait perdre le plus peur du temps. Alors, attendez, je vais juste regarder dans ma poche, prendre mon portable, parce que j'ai reçu un message et je sais pas si c'est moustique. Ah bah Moustique arrive. Bon bah parce que voilà, on devait se voir. Et Moustique va arriver. Du coup, bah je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être couper. Parce que il devait venir, mais finalement il a dit qu'il pouvait pas venir, en fait il peut venir. Gagner avec 60% de restant, c'est possible. Gagner en... Et en plus j'essaie de prendre aussi des défis qui sont facilement faisables, que j'ai pas besoin d'y penser, comme ça. Par exemple, gagner en moins de 75 secondes, je vais pas y penser, quoi. Gagner en moins de 60%, c'est faisable et je vais pas trop y penser, un petit peu, mais moins, quoi. Et là, il faut que je finisse par une rafale. Bon, je vais gagner avec, en essayant d'avoir 60% de jauge de vie. Alors, je vois juste ma porte, au cas où, si Moustique sonne à ma porte. Voilà, il y a Moustique qui va s'incruster un petit peu dans la vidéo. Bon, de toute façon, si à ça, je vais voir jusqu'où j'irai. Et sinon, je couperai, je reprendrai un autre jour, ça, s'il n'y a pas de souci. Oh putain, et voilà, regardez, il a enchaîné. Ah putain. Voilà, super, il était en train de taper dans le vent, c'est parfait. Ah merde, j'ai pas eu le temps de la lancer. Ah, aïe aïe aïe, je fais de la merde là. Ah là là, non, là je fais de la merde. Je fais de la merde. Excusez-moi, je suis pas très concentré. C'est bien, reste là-bas, moi je te tiens à distance.
Et allez, son attaque Big Bang. Voilà, elle est facilement faisable aussi son attaque Big Bang, c'est parfait. Je vous la laisse regarder pendant que je lis mon message. Bon, voilà, j'ai envoyé un message. Excusez-moi si je parlais pas, parce que j'ai envoyé un message à Moustique. Ouh, oui, c'est bon, c'est passé. Il devait rester quelques... Oh, ça m'a regardé tout ça comme vie. Oh, je croyais pas, je croyais que ça m'a donné qu'un petit peu. Bon, ça va. Bah, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé parce que Moustique m'envoie un message et tout. C'était pas prévu, voilà. Enfin, j'avais pas prévu normalement d'enregistrer parce qu'il devait venir. Et en fait, il a dit qu'il peut pas venir. Et maintenant, il dit qu'il peut venir. Mais bon, je lui ai envoyé un message, normalement, ça va être... Alors Sean, alors petite astuce, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans un site. J'ai même oublié de vous dire quel site j'utilisais, mais c'est un site assez facilement trouvable. Hein. Vous avez juste à taper trophée de platine ou trophée Saint-Sever Soul, c'est le premier site. Alors je vous mettrai soit une photo, soit une image, soit le lien dans la description sur la vidéo. Mais un site qui vous donne des bonnes astuces pour avoir le trophée de platine aussi, j'ai oublié de vous dire ça, on utilise aussi ça, on fait pas tout seul non plus, hein, parce qu'il y a des trucs qui sont des... Par exemple, t'as des trophées cachés, tu peux pas le savoir sans avoir été voir dans un site, quoi. Bon, alors, voilà, qu'est-ce que je disais dans le site, il disait que fallait sûrement pas prendre Sean en... Enfin, fallait surtout pas prendre Sean comme adversaire, ce qui est très judicieux de leur part, c'est très vrai, parce qu'en fait, Sean, il a une attaque avec sa chaîne qui est super chance, que il fait une attaque de super longue portée, lui, avec ses, grâce à ses chaînes, et du coup... Vu que vous voulez l'attaquer au corps à corps, et ben avec ses chaînes il peut faire des combos et il peut en fait être pas invulnérable, mais il fait des coups avec sa chaîne, du coup ça peut vous casser une combo, il reprend derrière et c'est super chiant. Alors là faut que je gagne avec au moins 50% de jauge de vie et Seiya faut que je finisse par une attaque Big Bang. Bon, on va essayer avec 50% de vie restante. Je vais lire le message que Moustique m'a envoyé. Attends, Moustique, tu m'envoies des messages, je suis en train d'enregistrer. Moustique s'invite dans cette vidéo. Hop, la petite rafale. Alors, faut que je fasse gaffe à ma vie. Oh merde. Alors, il y a ça aussi. Quand je saute et que je fais triangle, Hades fonce directement sur sa cible, ce qui est bien. Voilà, et ça peut l'arrêter, ça peut le stopper s'il veut venir sur moi. Et yeah! Oh oui! Oh, ça fait mal! Et voilà! Oh putain, j'ai bien géré là. C'est bien parce que j'ai pas besoin de penser à faire des. Finir par une attaque spéciale ou une attaque Big Bang. Du coup, je suis moins absorbé par ça et j'essaie de me concentrer plus sur le combat. Voilà. Bah, le petit grain de vie qui m'a retiré, c'est bon, je l'ai eu. Bon, alors pour l'instant, ça se passe très très bien. Le première fois ça passe très bien et comme vous voyez on est même pas à la moitié. C'est super chaud. Putain, elle va durer longtemps cette vidéo, hein, je suis désolé. Hein. Mais le mode survie c'est long. C'est long et c'est dur. Alors faut que je lui mette moins 5 fois KO, c'est faisable. Alors Thanatos il est pas mal. Alors surtout pas Hades parce que vous voyez moi je suis Hades, je suis un petit peu cheaté. Alors si je me bats contre Hades moi-même ça va être chiant. Lui il est faisable Thanatos mais il y a des fois il a des coups un petit peu chiants. Mais après j'ai juste à gagner en moins de 75 secondes quoi. Bon après je pense que le mettre à l'adversaire KO moins 5 fois c'est, je pense que c'est faisable. On va le faire. Oh là là, je suis même pas arrivé à la moitié, je m'en rends compte. Et ça va, c'est chaud hein. Le mode survie est très très chaud. Au pire hein, j'arrêterai, je recouperai enfin je vais débrouiller quoi, vous voyez. Vous avez compris, oh non putain. Ah oh, c'est bon j'ai pu l'éviter, ça marche. Putain tu m'as... Putain, il évite tout. Non, et j'ai dit, tu te calmes. Oh là là, il se protège tout le temps. Ah, c'est bon. J'ai un peu... Ah là, ils sont un peu chiants des fois, parce que les ennemis, quand ils commencent à voir qu'ils... Enfin, des fois, ils se protègent tout le temps, c'est super chiant. Alors que moi, si je me protège tout le temps, ils arrivent à me contrer. Voilà, j'ai... Oui, c'est bon, j'ai pu te la placer. Parce que le problème avec son attaque aussi avec l'épée,
c'est que je peux pas non plus. Elle va pas non plus super loin. Elle a une longue portée, mais pas jusqu'au bout de la. Ouh, je l'ai évité son attaque Big Bang, mais je sais même pas comment. Oh oui, je finis par un Bakumba. Ah, oh, c'était juste. Voilà, j'envoie un message à Moustique, excusez-moi si vous m'entendez pas beaucoup. Non, j'ai pas réussi à le mettre 5 fois KO. Oh, pourtant, ouais, bon. Ça va, j'ai pas trop perdu de vie et je peux peut-être en rattraper pour... C'est pas trop grave, ça va. J'ai pas trop perdu de vie, c'est pas trop dramatique. Alors, gagner en moins de 40 coups, je sais pas si je peux le faire, ça. Mettre l'inversé au moins KO, moins 3 fois avec Shura, ça risque d'être chaud, mais c'est plutôt faisable. On va essayer plutôt avec Shura. Parce que si je prends, si j'essaie avec des tas, faut que je finisse par une attaque spéciale, je sens que je vais me louper. Allez, faut que je compte ces KO. Les KO en fait, c'est quand ils tombent par terre et qu'ils, ouais, ils se rattrapent pas en fait. Alors voilà, par exemple 1, là ça fait un KO. Voilà, là ça fait 2. Oh, bien joué, il a sauté pour l'éviter, quoi, je suis dégueu. Oh! Oh, je l'ai touché quand même! Là, ça va faire 3 KO. Voilà. Voilà. Toi, tu restes là-bas, s'il te plaît. À moi maintenant! Ah, c'est con! Oh, heureusement, j'ai vu arriver, je me suis protégé. Et au revoir! Ouh! Eh, je suis concentré comme le lait, comme dirait un moustique. Oh, c'est franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Bon. Oui, ouais. En plus, j'ai réussi le truc avec l'argent, j'ai même pas fait exprès. Ah, ça m'a pardonné totalement de la vie. Hein. Ah, je pense que là, ils vont me donner. Plus j'arrive à la fin, ils vont peut-être moins me donner de vie que je pense. Alors, faut que je fasse gaffe. Oh non, si j'affronte Shen, comme je vous l'ai dit, c'est pas bon. Shiryu. Ou Iki. Bah, lui, faut que je mette KO 3 fois. On a vu que c'était faisable, on va recontinuer. Très, très. Faut faire. C'est ça, il faut absolument prendre des personnages pas trop forts. Et qui donne qui vous donne de la vie assez facilement, comme le KO moins 3 fois, vous avez vu, c'était faisable, quoi, c'était facile. J'adore les musiques aussi de Saint Seiya. Comme vous l'avez vu, j'avais utilisé pour mettre dans Kasamine au mode best. Ah, j'ai pas eu le temps de l'utiliser, merde. Je croyais que j'aurais eu le temps et j'ai pas eu le temps. Allez, on enchaîne. On est bien. Voilà. Voilà, c'est bien. Snake t'enchaîne. Je crois que tu l'as mis KO. Ah, j'ai pas mis KO. Là, je l'ai mis KO là. Non. Putain, il faut que tu stompes. Allez, là, il est KO. Ouais. Je sais pas si j'ai mis KO. J'ai pas compté. Ouf. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu de vie. Heureusement que j'ai Hades, parce que franchement, il a des techs, je suis vraiment poussé. Ah, oh, ouais, vous avez peut-être compté vous, mais moi j'ai pas compté. C'est bon, j'ai augmenté ma vie. Je suis plein. Ah, il reste plus que 4 affrontés. Putain, est-ce que Snake 530 va réussir à faire sa vidéo du premier coup? Ah, oh, putain, ça va être chaud. Alors, Athéna, surtout pas, parce qu'elle a beaucoup. Je pense qu'elle a beaucoup de vie et elle se protège tout le temps, Athéna. Enfin, quand je faisais le deuxième mode bataille d'or, oh, elle est chiante à affronter parce qu'elle perd très peu de vie. Vous lui faites très peu de dégâts plutôt. Et elle se protège, mais tout le temps. Et c'est chiant, quoi. Gagner avec 50% de vie en restant dans la joue, c'est faisable. Et réussir une combo de 10 coups, c'est faisable. Qui je prends? Seiya ou... Bah, je vais prendre Seiya parce qu'il m'a l'air... Il a moins de points, comme vous voyez, il y a des petits points, les points 9000 là que vous voyez en dessous. C'est ce qu'on gagne, alors vu qu'il a moins de points, je pense qu'il est un peu moins dur. Et en plus, non, une combo des 10 coups avec avec Hades, c'est facilement faisable, comme vous avez pu le voir et constater dans cette vidéo. Oh putain, c'est chaud. Franchement, je suis presque, je suis concentré à fond. J'espère que je vais pas faire de fail. Voilà, bah j'ai fait mes 10 coups, c'est parfait, j'enchaîne. Je me recule un peu avec cette attaque-là qui permet de recharger un peu mon ki et de garder à distance mon attaquant. Et regardez, en plus il se rejette sur mon attaque, il est con. Ah, putain. Ouais, j'ai pu l'avoir. Yes.
vache. Oh merde, je voulais pas. Ah merde, fais chier, je voulais pas faire la projection. Oh là 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 là. Allez, attaque Big Bang. Oui. Ouh, ah c'était. Et là j'avoue, mais c'est ma faute. Parce qu'en fait, en voulant me protéger, je me suis protégé. Et j'ai appuyé sur carré en même temps pour essayer, vous voyez, je voulais l'enchaîner derrière, mais en fait, en laissant appuyer sur protection et carré, vous faites une projection, une prise, si vous voulez. Et il était en train de la faire, Hades, et c'est ce qui m'a fait, bah, avoir une, bah, j'ai eu une ouverture dans mon attaque, dans ma défense. Oh là là, ça fait pas gagner beaucoup. Oh là là, là là là, ça commence à être chaud, là. Ça commence à être chaud, oh là là. Aldébaran, masque de mort. Alors, en moins de 75 secondes, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Gagner en moins de 50 coups aussi, je suis pas sûr de le faire. Oh, je prends quoi? Après, Aldébaran, il est... Bah, masque de mort, il est un peu chiant. Bon. On va tenter. Je pense que je vais faire des fails. Alors, je pense que là, ça va... C'est là que ça se corse. Et pas comme le pays. D'accord, ok. C'est chaud patate, c'est chaud patate. Allez, on enchaîne. Oh là là, faut que je fasse en moins de 50 coups, ça veut dire que je fasse des gros dégâts. Allez, 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 allez. Il gagne en... Merde. Oh putain, ça la rafale ne l'a pas touché. Oh là 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 là, non 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 là. Là ça commence à être vraiment trop chaud. Oh non, il aurait eu. Putain, il l'a utilisé pile au moment que j'étais en train de. Oh alors là, on va s'énerver. Allez, tu veux pas te téléporter, tu peux esquiver ça. Mais ah, c'est mort. Je pense que j'ai là. C'est la fin. C'est la fin des cacahuètes. C'est la fin des cacahuètes. Ah, vous voyez que là c'est plus tendax, je suis même pas arrivé aux deux derniers quoi. Oh là là, regardez la vie qui me reste. Bon. Oh, j'ai quand même fait au moins 50 coups, ça, ça me... Oh. Eh ben le reste, faut pas que je perde une seule grain de vie quoi. Ah, Aphrodite c'est faisable. Ouais, alors Aphrodite c'est faisable, on peut la mettre KO en moins de 3 fois et en plus... Ce qui est bien avec Aphrodite, c'est en fait elle a fait des attaques avec ses fleurs que vous pouvez esquiver facilement et que vous pouvez enchaîner derrière avec une attaque spéciale. C'est assez bien. Bon, après, faut pas qu'elle attaque au corps à corps parce que j'avoue, des fois, l'IA est un peu bizarre. Des fois, elle fait pas du tout d'attaque spéciale. Du coup, vous êtes en la merde parce qu'elle fait que des attaques au corps à corps. Les attaques au corps à corps. Aphrodite, elle est plutôt pas mal pour ça. Ah putain, là, ça va être chaud. Voilà, et là, elle fait une attaque de fleurs. C'est pas mal. Vas-y, continue à faire tes attaques de fleurs. Oh non non non, juste qu'est-ce que j'ai fait? Non Snake. Non 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 non, c'est pas le moment. Oh non non. Oh là là non, là là là, là je suis pas concentré du tout. Oh non, il a tapé dans. Non mais pourquoi tu tapes dans le vent, Hades? Il était derrière toi. Ah ça m'énerve des fois. Allez allez. Faut que je la mette KO aussi en plus. Oh l'attaque qui touche pas. Ouais c'est bon. Allez, on reprend toute l'énergie. Oh ouais. Merci Aphrodite, t'es trop venu sur l'attaque spéciale. Parce que même si elle est au sol, l'attaque spéciale le compte hein. Elle touche quand même. Ouh oui. Oh, j'ai regagné la vie que j'ai perdue. C'est de tout à l'heure. Oh putain, il en reste plus que deux. Alors là, bon bah, Shura, laisse tomber, il augmente à fond. Camus, bah, il reste plus que Camus. Oh non, mais Camus, il a son attaque overcheatée que j'ai utilisé dans le tournoi intergalactique. Mais c'est le moins fort quoi. Et c'est le plus faisable. Ouais, c'est le plus faisable. Bon, bah, espérons qu'on. Alors faudra que je fasse super gaffe à ne pas l'attaquer quand il fait son exécution de l'aurore. On va essayer de le tenir à distance. Ah putain, l'attaque.
Allez, 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 allez. D'accord, regardez, ils sont tapés tous les deux dans le vent. Oh non! Oh là 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 là, là c'est beaucoup plus dur. J'ai l'impression qu'ils arrivent à deviner toutes mes attaques. C'est super chiant. Allez, 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 Snake, Snake, tu peux le faire. Il est coincé dans le coin, vas-y, profite-en. Non, 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 non. Oui, là j'étais obligé, mais je pense que ça va être chaud pour la fin. J'ai pas gagné assez de vie. Et je l'ai pas mis KO, je crois. Non, c'était quoi qu'il fallait que je fasse? Ça va être mettre KO 3 fois. Oh, j'ai pas réussi. Je crois que j'ai perdu le mode survie. J'ai été loin. J'aurais été loin au moins. Ouais, là non. Avec si peu de vie, c'est mort. Avec si peu de vie, c'est mort. J'ai été loin quand même. Oh si, j'ai réussi à le mettre KO. Mais ça m'a même pas donné moitié de ma vie. Oh là là, le stress. Est-ce que Snake 5130 va finir le mode survie avec la moitié de sa vie? C'est pas possible. Bon bah là, vous voyez qu'on peut plus regagner de la vie parce que c'est le dernier. Il faut que je choisisse. Alors, Shaka, Doko ou Aulia. Alors, Aulia, il a des super combos de fou de malade mental, laisse tomber. Doko, il a un coup de pied en avant qui est super chiant, qui vous... Enfin, il fait une rafale en avant, un coup de pied en avant qui esquive tout, enfin, qui casse toutes vos attaques. Shaka, il est un peu plus faisable parce que ses attaques sont un petit peu pourries. Shaka, c'est censé être le plus fort des chevaliers, mais il a, franchement, dans ce jeu, il est pourri. Enfin, moi, j'ai trop du mal à l'utiliser, en tout cas. Bon, bah, je pense que même si c'est Shaka qui est le plus... vous voyez, il a le plus haut niveau. Mais franchement, je pense que c'est le plus faisable. Je vais tenter. Je m'en fous, j'aurais été très loin dans cette aventure. Je suis tellement, je suis concentré. J'aurais été très dans cette aventure. Je vous remercie d'avoir regardé. Je couperai, hein, vous inquiétez pas si je perds. Je recommencerai quand je serai à la fin. Là, c'est la tension. Est-ce que Snake 5130 va y arriver? Voilà, on fait ça, ça va le tenir à distance. Comme ça, voilà, comme ça, s'il il fonce vers moi, j'ai juste utilisé ça. Merde, je l'ai utilisé pour rien. Bon, là, j'avoue. Oh, 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 non, non, non. Non, 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 tape pas dans le vent, tape pas dans le vent. Oh, j'ai réussi, putain! Oh, j'y crois pas! Oh mon dieu, regardez comment cet enchaînement, putain, que j'ai fait! J'ai réussi en une fois sans même m'échauffer avant, quoi. Enfin, je me suis chauffé hier, mais c'était hier, quoi. Là, c'était à froid, quoi. Bon, j'ai pas gagné tout l'argent, mais je m'en fous, j'ai gagné, j'ai fini le mode survie! J'ai fini le mode survie, il n'y en a plus qu'à attendre le trophée. Ah, franchement, je suis fier de moi. Oh putain, je suis une merde, mais j'ai réussi. Voilà, alors oh oui, c'est un Big Bang, j'ai gagné. Oh. Et j'ai gagné le trophée Platine dans le Soul Ultime en votre présence. Et vous avez eu des combats d'anthologie. Cette vidéo, mettez un pouce bleu pour ce que même la performance du mec qui ne s'est même pas échauffé avant d'enregistrer. Il a lancé le jeu là. Il s'est dit, vas-y, on enregistre comme ça, on s'en fout. Oh mon dieu, mais en même temps, ça fait quelques jours que je m'entraîne dessus avec, vous savez, avec les répliques de combat, comme je le disais, hein. Voilà, je le dis, hein. C'est pas non plus une grosse performance parce que ça fait quelques jours que je mets le jeu à fond pour avoir le trophée le plus chiant du jeu, comme je vous l'expliquais juste au début de la vidéo. Voilà, j'ai fini, j'ai eu le trophée de platine. Putain, j'ai fait une vidéo de fou. Oh, franchement, une vidéo de fou. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez senti la tension dans les combats? Est-ce que vous avez senti la tension dans les combats? J'espère que cette tension, vous l'avez sentie. Je suis fier de moi. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, franchement, mettez un petit pouce bleu pour la performance. Ou si vous mettez pas un pouce bleu, dites-moi pourquoi. Mais franchement, là, franchement, ça mérite un petit pouce bleu. Mettez un commentaire. Snake5130 a trop de la chatte. Parce que franchement, j'ai eu de la chatte. Mais heureusement, voilà. Alors, pour faire un résumé, pour celui-là, vous l'avez. Il est facilement platinable. Il y a juste le trophée qui est super chiant, réplique de combat. Voilà. Et franchement, je pense que je referai un petit mode survie. Mais avec un autre personnage, pas avec Hades, pour voir.
Bah, juste pour savoir à quel point je pourrais aller le plus loin possible. Voilà, parce que franchement, je trouvais que c'était. Franchement, c'était. Waouh! C'était d'attention. Oh putain, ça aura duré longtemps cette vidéo. Je m'en suis désolé. J'espère quand même comme moi, vous avez été dans la tension la plus ultime. Que vous allez. Vous posiez sûrement la question, est-ce que Snake 530 va arriver jusqu'au bout? Et bah oui, j'ai réussi. Même moi, on m'aurait dit, j'aurais pas cru. Oh putain, je suis tellement fier de moi, j'ai envie de rester avec vous pour vous dire que vraiment je suis content, bah voilà. Bon, on va s'unir avec la musique du menu principal parce qu'elle est trop stylée, je l'adore. Et franchement, j'ai eu mon trophée de platine, je suis content, facilement. Voilà, Soldier Soul, facilement platinable. Si moi, comme un glandu comme moi, a réussi à le faire, vous pouvez le faire. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi. J'espère que cet épisode, cette vidéo, je sais pas pourquoi j'ai épisode, je confonds avec 2X, c'est pour ça. J'espère que cette vidéo à la poursuite de trophée de platine sur Saint Seiya Soldier Soul vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour la performance. On se retrouve pour une prochaine vidéo et peut-être un autre platine. Je sais pas qu'est-ce que ça va être, mais voilà. Allez, salut et portez-vous bien. Et moi, je suis trop content. Portez-vous bien, tout le monde. Salut. Allez, hop, on se finit sur la musique de fin. Saint Seiya Soldier Soul. Hop, hop, et hop.